La toute première séquence qui m'a touchée, c'est la scène où la dame parlait de sa grossesse à son mari et aussi lui présentait les ordonnances et l'échographie à faire demain. La grossesse, c'est une grossesse, c'est un heureux événement dans une famille, mais d'un autre côté, il y a les dépenses qui vont avec. Et donc, sur le visage de l'homme, il y avait et l'inquiétude, comment subvenir aux besoins de sa femme qui est enceinte. Il y avait aussi la joie d'accueillir un nouveau bébé. Comment Il y a un système de santé publique au Niger, mais le système de santé publique ne couvre pas toutes les dépenses. Le système de santé publique que nous avons au Niger, avant, il y avait la gratuité pour les femmes enceintes et les enfants de 0 à 5 ans, mais ces dernières années, il n'y a plus ça. Donc, ce qui fait que même la césarienne était gratuite avant, mais maintenant, il n'y a plus ça. Ce qui fait que même les consultations prénatales, la consultation prénatale est payante. Donc, si une femme enceinte doit être à l'hôpital, doit se rendre à l'hôpital pour voir si sa grossesse se déroule bien, il faudrait qu'elle paye. Et après, les femmes, beaucoup ne vont pas à l'hôpital parce que c'est des coûts. Beaucoup ne vont pas à l'hôpital, elles accouchent seules et on est surpris qu'il y ait des femmes fistuleuses. Akwai wurowa ila'ila'ila kwa goma tara da rabi ke nawa gare ke da zaki ka a cika nawa garau ko biye a matsala ma hutar muga inda ta bada da an dilem d'un côté il y a l'activité illicite qu'il est en train de faire à danger parce que la vente de l'essence fraudée ça met en péril et lui et sa famille et son entourage. Il peut finir en prison. Il y a déjà l'activité illicite qui lui permet de subvenir aux besoins de sa famille. D'un autre côté, s'il lâche l'activité là, il va subvenir aux besoins de sa famille comment? S'il n'y a pas d'autres activités à faire, s'il n'a rien à faire, il va faire comment? kai dan Simon garin nan ho ba kudi qur'ani bodal ma alrihi kawo kai ka taya mu adda daga ciki tunda dai baka da laihin komi ko ai Simon ce wa sani ko dan Simon le dai wa sani taya mu adda kawo a wajen Allah tunda kai ba mai laihi bane ko ma samu kudi kan ka zo Oui, il y a une autre séquence, la séquence de Toudjams. Le quartier ou le couloir des professionnels du sexe, si on peut le dire, où on remarque qu'elles sont en train de parler d'une des filles qui a été assassinée, perd son âme, mais il n'y a même pas d'enquête. Elles sont délaissées, agressées, des fois tuées, mais. Au fond, il faut dire que c'est des êtres humains et chaque être humain a droit à une sécurité. ya ka da ni muna kokoyi da shi ji samu loka mu kokoro na yin sa hannu na rike wuya na sai yanke na nan gurin sai wannan kurma ce cikin wani Si aujourd'hui l'État ne peut pas garantir un emploi à ces jeunes-là, au moins leur garantir la sécurité.
un être humain a droit à la sécurité, se sentir en sécurité, et aussi en plein ville de Zinder, parce que Tudingham, c'est en plein ville de Zinder, en plein ville de la région de Zinder, si une personne est assassinée et qu'il n'y a même pas d'enquête, c'est très grave. Kuma da ke ba wata ba a dauke ta ba ba a dauki ba karuwai wasu masu mutunci tarar da aka yanke ta nan hakko kwana har yanzu nan da wajen wata uku a wata uku kwana kadan ne babu babu mahaluki da ya zo ya tambaya amma yanzu daga an ce wani barawo a tudin jamus ko dilin dan kwana MPG ko komisariya central da gudu a wuni sai su zo fiye da goma me yasa wani yariya da aka yanke ta a kasa fatiri eh ko ba a samu ba ma mu mata mu san an damu da mu masu zaman kanmu ai fatiri a san eh lalle akwai ummal abaisa da yasa aka fatirin wannan mace wanda aka mata yankan rago irin yanda kake ji a kasar waje yanzu ya zo kasar ku a kasar ku ma a tsakanin ku a gaban ku c'est vraiment grave peu importe le quartier peu importe le couloir c'est des professionnels du sexe mais c'est des êtres humains. La plupart des professionnels du sexe, c'est par manque de perspective. Ici, en tout cas, c'est par manque de perspective parce qu'il n'y a pas d'autres alternatives. Amana ta ce to me zan je in a gurin ta ce giya ne take sida wai giya ne zan ta yanje in ta mata sai da giya ta ce mu to ba matsala amana ta bani addu'a ta yi mun addu'a ta ce to Allah ba da sa amma in na ta yi can waje baya sati guda a kira ta a gida ta san ko layalo ko ba layalo ba ne ba in ba layalo ba sai ta ce mu in dawo gida in zo na gida amma in layalo sai in zo na to na zo nan ban ma kai sati guda ba akwai babba waya da na kawo aka sace min shi ashe ita ce ta ɗauka waya nan saboda karin kira kowa muka zo na na ce mata to yanzu da kika kawo ni a nan me zan zo in dinga yi ta ce ba giya ba ga abin da take yi parce que dans le passé peut-être que elles n'ont plus quelqu'un qui peut les aider, elles n'ont plus de famille, elles ne sont pas dans peut-être même dans leur région d'origine, dans leur pays natal, parce qu'il y a celles qui viennent aussi du Nigeria. Aujourd'hui, 50-60% des jeunes filles se marient avant leurs 18 ans. Avant 18 ans, elles sont déjà dans un foyer. À 16 ans, 17 ans, déjà, la fille est là avec un enfant. Alors, cette fille va continuer comment à l'école? Donc, les parents voient que c'est un gâchis d'investir dans l'école d'une jeune fille qui, dans quelques années, elle ira dans un foyer. Donc, ils préfèrent investir sur le jeune garçon qui, même s'il prend une femme dans peu de temps, au moins, il est là. C'est pas, il peut continuer. C'est pas un gâchis. Et aujourd'hui, au Niger, les femmes sont plus nombreuses que dans les statistiques, les femmes sont plus nombreuses que les hommes. Sur 10 naissances, 8 sont des jeunes filles. Mais si on empêche à cette jeune fille d'aller à l'école et que
Le peu de garçons, de jeunes garçons seulement, vont à l'école, mais demain, le Niger marchera comment? S'ils ne sont pas assez nombreux, si ceux qui ont étudié ne sont pas assez nombreux, le Niger va se développer comment?